Bonjour et bienvenue sur votre chaîne YouTube Tarbouyat مع الأستاذ محمد البخاري. مرحبا بكم أعزائي الكرام في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. في هذا الفيديو غادي ندير معكم لاكتيفيتي دو ليكسيك كي كونسيرن لونيتي 4 فواياج اي ديكوفير سيمين 1 اي 2 ليكسيك تيماتيك دو فواياج اي ديكوفير. فهذا الدرس غادي نتعلمو وغادي نتعرفو مجموعة ديال الكلمات دي فوكابولير اللي كيخصو الفواياج اي ديكوفير السفر والاكتشاف. دونك سي لاكتيفيتي دو ليكسيك كونسيرنون لو بروغرام بور كومونيكي اون فرونسي 5 اني دو لونسينيومون بريمير. كنرحب بكل متتبع جديد عاد انضم للقناة ديالي وكنرحب كذلك بالمتتبعين الاوفياء اللي دائما داعمين القناة. اذا هذا الفيديو ليكم مرحبا بكم. Donc aujourd'hui, on va faire lexique thématique de voyage et découverte. Suivez avec moi, je vais vous lire le texte de départ. Donc, l'avion devait décoller à 10h30. J'avais le cours serré, mais je ne regrettais pas d'avoir fait ce voyage. Peu avant le décollage, quand l'hôtesse de l'air recommanda à tous les passagers d'attacher leur ceinture de sécurité, je n'étais pas très rassuré. Mais dès que l'avion eut pris l'air aussi stable qu'une voiture sur une autoroute, je sus payer immédiatement plus tard lorsque le steward apporta les plateaux pour le déjeuner. Je trouvais follement amusant ce pique-nique dans les airs et je mangeais de bon appétit tout ce qu'on me servit. C'est bien. Donc, il y a le texte de départ. Il est très facile. Il y a l'avion ou bien le décollage de l'avion. Il y a l'éclair de l'avion. Il y a une personne qui est خايف ou بعد ولا فرحان حيت سافر في l'avion. Suivez avec moi, je vais répondre aux questions de la rubrique j'observe et je découvre. Donc j'observe et je découvre. De quoi parle le texte? Donc le texte, elle est ce qui est là. Le texte qui est là, elle est le décollage. D'accord? Le décollage de l'avion. Le décollage de l'avion. Question 2. À quelle heure devait décoller l'avion? Focache radit khalla tayara. Donc à 10h30. D'accord? À 10h30, d'accord? À 10h30, que demande l'hôtesse de l'air aux passagers? Je nous demande l'hôtesse de l'air من الركاب كطلب منهم هم d'attacher leur ceinture. D'attacher leur ceinture de sécurité. De sécurité, d'accord? Leur ceinture de sécurité. Question 4. Comment est l'auteur au début? Donc, donc, il est serré, d'accord? Donc, il est peur. Onziduha n'était pas très rassuré. C'est bien. Que fait le steward? Le steward, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce les plateaux? Il y a des maclades, du déjeuner. Donc, apporta les plateaux. D'accord? Apporta les plateaux. Question suivante. L'auteur a-t-il toujours peur? Wesh, l'auteur, bqa da'iman khaif. Non. 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 Il. Donc, trop. Comme ça. Il trouve. Donc, foulement amusé ou le de m'stamte, d'accord? Ou le m'stamte. Comment mange-t-il? De bon appétit. De bon appétit. Tout ce. D'accord? Donc, de bon appétit. 12 questions 2. Dernier, je manipule et je réfléchis. Maintenant, je relève du texte les mots et les expressions qui ont un rapport avec. Donc, je vais le texte, les kalimats qui ont un rapport avec l'avion, l'aéro, ou les kalimats qui ont un rapport avec les repas, c'est bien. Donc, nous allons voir l'avion. L'avion a décollé. A aussi décollage. Il y en a l'hôtesse de l'air, il y en a le steward,
il y en a ceinture, il y en a aussi le passager, d'accord? Le passager, finalement, il y a les passagers. Donc, mais l'avion, d'accord? L'avion. Il y a un domaine à la table l'avion. Donc, décoller, décollage, l'hôtesse de l'air. On dit passager. On dit steward. On dit ceinture. Donc, on dit avion. D'accord? Je fais les repas. Donc, on dit appétit. On dit le déjeuner. Déjeuner. On dit aussi le donc manger. Allez, manger. Donc on dit la seule calimètre qui est non repas. D'accord. Donc on dit déjeuner. Déjeuner. On dit appétit. Manger. Comme ça. D'accord. Manger comme ça. Il faut maintenant, je retiens, un champ lexical ou thématique regroupe des mots qui évoquent un même thème. Déjà, dans le champ lexical, on a dit qu'il y a beaucoup de sous un thème. Par exemple, voyage. Lorsqu'on parle du voyage, on parle de beaucoup de choses. On parle de l'avion, on parle des valises, on parle du passeport, on parle de décollage, on parle de l'hôtesse de l'air, et ainsi de suite. Donc, exemple, par exemple ici, avion, décoller, décollage, l'hôtesse de l'air, steward, ceinture de sécurité. Le champ lexical est composé de noms, des verbes et des adjectifs qualificatifs. Donc, on a l'exemple, il y a de l'avion, décoller, décollage, l'hôtesse de l'air, steward, ceinture de sécurité. Donc, une fois quelques mots. D'accord? Donc, le champ lexical, même qui nous connaît des noms, il y a donc quelques mots qui nous connaissent des noms, ou là, même qui nous connaît quelques les affaires, ou là, même qui nous connaît quelques les des adjectifs qualificatifs. Ça fait? Deuxième la leçon. La page 108, donc il y en a des exercices dans la rubrique je m'entraîne. Je complète le tableau suivant. Donc on dit les mots ici, on dit le champ lexical. Regardez, il y en a aéroport, valise, passager, hôtel, gare, billet, passeport, paquebot, découlé, autocar, train, port. Donc il a l'article qui dit le voyage. Voyage, donc la safar. Donc il a pris des mots. Donc on a dit, on peut dire, par exemple, voyageur, musafiri, des voyageurs, par exemple, visa, par exemple, taxi, donc bus, par exemple. Donc ce sont des mots. Donc il y a voyage. Donc le champ lexical c'est voyage. Ici il y en a visité, monument, explorer, musée, connaître, touriste, la caméra, découvrir, guide. Donc c'est-à-dire tourisme. D'accord, tourisme. Yes. D'accord. Donc il y a une découverte, le petit chef. Par exemple hôtel. L'hôtel. On peut dire restaurant. On peut dire carte. La carte géographique. La carte géographique. C'est tourisme. D'accord? Il y en a ici thermomètre, l'ausculté, stéthoscope, piqûre, radio, docteur, ordonnance, pharmacie, séro, cachet. Donc, on a médecine. Médecine. La médecine. Il y a type. D'accord? Donc, j'ai le médecin. Médecin. Donc, on dit, par exemple, les médicaments. Médicaments. Donc, on dit, des infirmiers et des infirmières. Et ainsi de suite. Donc, Camille, sur la médecine. Ça va? Deuxièmement, la rubrique, je m'évalue et je consolide mes acquis. La première question, je souligne les mots qui se rapportent au voyage. Donc, on va installer les kalimat qui ont un rapport avec le voyage, le safar. Carte postale, عندها علاقة. Atterrir, نعم, يعني الهبوط ديال الطائرة. Cinéma, là. Tiki, oui. Chanter, là. Taxi, oui. Visa, oui.
Plaisanter, non. Visiter, oui. Je fais la deuxième question. Je rédige une carte postale pour mes parents en utilisant le vocabulaire c'est dissous. Donc il y a des cartes postales, donc il y a des cartes postales cher parents, je suis en ville de Rabat, donc on utilise la ville. J'ai pris une caravane, خديت واحد الكارافان pour voyager, باش نسافر. انا استعملت كارافان واستعملت voyager. J'ai visité le mausolée. J'ai fait une petite tour vers le cirque. انا استعملت cirque. Donc بزاف ديال الكلمات غنكون استعملتهم في هاد كارت بوستال ديالي. Donc ممكن ديروا لا كارت بوستال اللي بغيتو نتوما. D'accord. وبهذا غادي نكون كملت لا فيديو ديال اليوم اللي كان كيخص l'activité du lexique, la page 107 et 108 pour communiquer en français 5e année de l'enseignement primaire. كنتمنى انكم تكونوا كتستافدوا معايا في قناه التربويه مع الاستاذ محمد البخاري. ادعوكم للاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. كان معكم الاستاذ محمد البخاري والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.